Dans un thé, thé au lavabo et le titre Sushi Polata, une vidéo réaction, j'espère que ça va vous plaire. Et puis on est parti. Allez, let's go. Ah, j'adore la musique, j'adore le personnage. C'est très bien ce qu'il fait. J'adore le décor, tout ça, j'aime bien, je trouve que ça a de la gueule. Les paroles, nickel. Vous avouez que j'ai envie de danser dessus, c'est super classe. Pas mal. Je suis son grand Chipolata. Pas moi, je suis pas son Chipolata. J'aime bien, il est marrant. Vous voyez, le personnage là, c'est bien. Non, c'est nickel, c'est. Ça veut rien dire, mais c'est nickel. Ouais, grâce à ces saucisses dans du plastique, tu vois, c'est pas mal, mais il aurait pu éviter ce jeu de mots, parce que je trouve que c'est un peu répétitif, mais c'est assez original, ça c'est bien, c'est assez sympa à écouter, c'est plus un clip pour moi paillard, si vous voyez ce que je veux dire, plus rigolo qu'autre chose, mais bon, après on le prend comme on a envie, ça me fait rire, c'est bien, ça peut faire rire. Ben voilà, vous voyez les petits décors, les petits effets spéciaux nickel, les petits trucs du Chipolatéo, c'est bien, c'est. Voilà, après on entend beaucoup de Chipolatéo, de Chipolata dans le clip. C'est nickel. Alors ça doit mouler dans ce costume. Moi j'ai rien contre ce costume, mais je trouve que le matos doit être bien rangé dedans. Ça c'est moulant. Ça c'est bien, ça c'est moulant. C'est assez étonnant de voir une tenue comme ça, mais bon, on fait avec. Voilà. Les petits trucs derrière, vous voyez, c'est super bien fait. Alors juste un truc, toi, lavabo, merci pour ce moment, hein. Moi j'admire ce que tu fais. Je suis fan de toi depuis Incroyable Talent. Puis j'espère que tu vas continuer. Et bravo pour les Chipolata et Chipolatéo. Nickel. Et puis merci d'avoir. Vu la vidéo réaction, il choose.